Le concours mondial de Bruxelles, évidemment, est un concours international et forcément, nous n'étions pas encore venus en dehors de l'Europe. Alors la Chine est un pays qui était incroyablement en forme et c'est pour ça que nous avons choisi, nous sommes invités en Chine. La Chine a énormément fait énormément de progrès au point de vue vinicole. La situation des vignobles est vraiment exponentielle et la qualité suit également. Mon sentiment au sujet des bouchons, c'est très simple. La tradition en marche, c'est celle du bouchon de Liège. On essaye d'autres systèmes, mais c'est toujours la meilleure au point de vue des qualités. Le problème, c'était que pendant très longtemps, on mettait n'importe quel bouchon et on n'était pas très regardant sur la qualité. Et depuis quelques années, on est très, très, très regardant sur la qualité. Il n'y a plus de goût de bouchon. Souvent, on dit qu'il y a des goûts de bouchon. Ce n'est pas le bouchon. C'est probablement un défaut dans la vinification. On revient à la tradition des bouchons. Et c'est pour moi la meilleure et c'est celle qui est la plus efficace, en tout cas au point de vue de la qualité et de la conservation des vins. On me demande quelle est ma première impression quand j'ai débouché une bouteille de vin quand j'étais tout jeune. Mais c'est quelque chose de mythique. D'habitude, ce sont mes parents qui ouvrent ça. Et puis on m'a dit, Louis, tu ouvres une bouteille. C'est un moment, vraiment c'est un rite, c'est vraiment un moment important. Il y a ce travail de bien installer la vis dans le bouchon. Et puis quand on élève le bouchon, il y a un petit bruit sympathique et tout le monde sourit et on attend de déguster le vin. C'est un moment de bonheur et de plaisir.